personnel quoi. Il devait inaugurer sa wellness center qui vient faire à l'initiative de Mauritius Telecom en collaboration avec le district council de Pamplemousse. Moi, bien sûr, donne tout mon soutien et tout coup de main qui sont capable de donner pour ça qui a été posé là, parce qu'il est exactement en ligne avec nos politiques pour promouvoir sport, promouvoir bien-être de la famille, triolé, bien sûr, pour gâter encore à l'avenir, le ministre Stéphane Toussaint Diali, bientôt pour faire pose premier pierre de triolé Arina. Il y a encore, mais seulement vous besoin de dire, vous connaissez, dans la procédure, vous besoin de respecter. Nous respectons la procédure. Dans la procédure tender, procurement, nous respectons, nous, contrairement à ce qui est là où nous trouvons, qui m'a dit à la Cour suprême, une condamnée, une dire qui fait des affaires illégales. Mais là, nous arrivons au stade Côte Bizarre, qui a voué un document à Central Procurement Board, et nous espérons qu'en juillet, pour capable lancer donc un tenders. Et là aussi, nous avons guetté, bien sûr, par rapport à une proposition qui gagnait, parce que vous connaissez, nous avons un coût pour ça, Arina-là, au fait, il coûte. Dans nos estimations, il coûte à peu près 215 millions de roupies. Un complexe sportif qui est moderne, qui est vraiment extraordinaire. Mais il pour un véritable bijou. Et il prend encore plus de motivation pour s'y atteler tout un athlète. Et là, nous pouvons cause ce complexe sportif-là. Pas juste pour un athlète de haut niveau, capable de servir, capable de développer son talent, mais il pour aussi à la disposition de mon habitant.